Eh bien bonjour à tous les amis, je suis PupUp, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous annoncer une modification sur la chaîne concernant les aventures solo au niveau du planning de diffusion. Si vous êtes allé voir le calendrier récemment, calendrier que vous pouvez retrouver sur la page d'accueil de la chaîne ou dans la description des vidéos, vous pouvez voir qu'il ne reste plus qu'une seule aventure solo qui sera diffusée jusqu'à fin février. Il s'agit de Final Fantasy XV. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais arrêter Mass Effect ou Watch Dogs, parce que ce sont des jeux qui m'intéressent toujours. Je vais juste les mettre en pause le temps de terminer Final Fantasy XV. Une fois que Final Fantasy XV sera terminé, je terminerai Mass Effect et ensuite Watch Dogs. Et après seulement, j'entamerai un nouveau gros jeu, une nouvelle grosse aventure solo. Le but de ça, c'est de sortir plus rapidement tous les épisodes pour un jeu, pour éviter d'avoir un jeu qui, comme actuellement, s'étende sur 6 mois. Final Fantasy VII nous a occupé entre le mois de mars et le mois de décembre quand même, donc ça fait un petit peu long, je trouvais, pour un seul jeu. Donc comme ça, je vais bien enchaîner toutes les aventures, ça va me permettre pour moi de mieux t'immerger dans l'univers du jeu, et surtout de mieux appréhender le gameplay, parce que actuellement, je mélange le gameplay entre Watch Dogs et Final Fantasy XV qui jouent tous les deux à la manette PS4 et du coup je fais des petites erreurs de touche, ça peut m'arriver. Donc comme ça, ça va me permettre de mieux jouer, d'être mieux impliqué et pour ma part ça me prendra aussi beaucoup moins de temps parce que comme ça je vais pouvoir enchaîner les enregistrements des épisodes. Alors le point négatif par contre c'est que quand vous verrez la diffusion d'un épisode, j'aurai facilement 10 à 15 épisodes d'avance. Prendre l'exemple de Final Fantasy XV encore, j'ai déjà terminé le jeu, donc je sais exactement le nombre d'épisodes qu'il y aura, alors que pour vous, vous allez seulement voir le 22e épisode. Voilà, je ne vais pas diffuser non plus que la grosse aventure solo à 20h, je vais continuer de faire mes autres jeux, les jeux épisodiques notamment, comme Life is Strange qui est en train d'être diffusé actuellement, ou plus tard Hearthstone quand j'aurai fini mon Roche Noir. Les autres aventures solo, je les ferai comme les autres jeux épisodiques, c'est-à-dire une à la fois diffusée sur quelques jours. Également, il restera les vidéos Elite Dangerous, et bientôt, je pense aussi me mettre à Star Citizen. Donc ça va faire deux jeux, deux vidéos d'affilée sur du space opéra, on va dire, entre Elite Dangerous, la série roleplay, donc je vais bientôt commencer. Et Star Citizen, où là ce sera plus au début en tout cas de la découverte, puisque je n'ai jamais joué au jeu. Donc comment ça va se passer? Vous aurez pour commencer 5 épisodes de Final Fantasy XV. Après ça, vous aurez 3 épisodes pour Life is Strange. Donc en gros, un épisode de Life is Strange que je coupe en 3 parties. A nouveau ensuite 5 épisodes de Final Fantasy XV. Et ensuite, vous aurez Elite Dangerous. Et pour l'instant Hearthstone, et une fois que mon rochetoir sera terminé, ce sera du Elite Dangerous et Star Citizen. Donc voilà, donc ça fait 5 jours, 3 jours, 5 jours et plus tard 2 jours. Donc comme ça, en fait, si on prend, vous aurez au maximum quand même 5 épisodes du gros jeu par semaine. Donc j'ai pas non plus envie d'en faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai quand même envie d'avoir d'autres aventures qui m'intéressent de faire pour pouvoir varier un petit peu la chaîne et ne pas non plus vous inonder d'épisodes. Voilà, rien ne change par contre pour les jeux de gestion, donc les jeux à 18h, je vais continuer parce que ces jeux-là, je les enregistre pas beaucoup en avance, que j'aime bien avoir vos retours avant de continuer, notamment sur du City Skyline, ce genre de choses, à part quand je fais un scénario Natural Disaster où là, le scénario est déjà enregistré complètement à l'avance, j'aime bien avoir vos retours, vos idées et les axes d'amélioration que vous pouvez me donner pour améliorer ma ville, par exemple. Donc voilà, donc ça change pas, il n'y a que les séries à 20h qui vont changer. On terminera donc les trois gros jeux, d'abord Final Fantasy XV, ensuite Mass Effect et ensuite Watch Dogs, et ensuite on commencera un nouveau jeu. Je pense que ce sera Assassin's Creed 2, puisque je viens de recevoir The Ezio Collection. Et voilà, et un peu plus tard, et ben on fera les suites, donc Final Fantasy 8, Mass Effect 2. Bon, Watch Dogs, je suis pas sûr de faire le deuxième, parce que je m'ennuie un petit peu sur le premier, que je trouve un petit peu trop répétitif. Donc c'est pour ça, ça me permet de faire une petite pause dessus, c'est pas plus mal non plus. Et ensuite, il y aura The Last of Us aussi, et puis je sais pas encore, et n'hésitez pas à me suggérer des jeux, bien évidemment. Ça m'amuse de faire de nouveaux jeux avec vous, notamment Life is Strange, que comme je vous ai dit, on m'a offert, et que je n'aurais pas découvert autrement, et ça aurait été un bon regret.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette modification dans les commentaires en dessous. Et je vous donne rendez-vous ce soir pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.